like I'm waking up to only half a blue sky. Kinda there, but not quite. Salut tout le monde, comme je vous disais un petit peu plus tôt, aujourd'hui c'est le jour où Rosalina et Buzzy s'en vont. Je suis réveillée tellement un mess là, c'est n'importe quoi là. J'ai opté pour le mascara waterproof, là je vais pas faire un gros drame là, mais en tout cas. C'était, je sais pas, j'ai comme eu un méga claque dans la face là. C'est pas la première, mais là c'est vraiment, okay, c'est vraiment le dernier matin, la dernière journée. Ils arrêtent pas de jouer ensemble, puis ils arrêtent pas d'être particulièrement cute. Le Buzzy arrête pas de venir me voir, c'est super cute. Puis comme je vous disais, il y a quelqu'un qui s'en vient comme dans le début de l'avant-midi, fait que probablement que si ça fonctionne avec lui, s'il décide de prendre deux chatons, puis que la spéciale a de la place, ben ça serait en même temps Boomer puis Bowser qui partiraient. Fait que ça va être quatre d'un coup, ce que j'aime quasiment mieux, on dirait, parce que c'est pas quelque chose qui est exactement le fun, là. Puis me rendre à la spéciale, puis tout pour les amener. Liam, excuse-moi, ça t'arrange-tu? Pour les années à SPCA pis tout, c'est pas exactement... Honey! Oh my god! Parce que j'en ai un qui me lâche pas, là. Il est fin dans le fond, mais... En tout cas, je pense que dès que je parle au téléphone ou dès que... qu'il voit que je filme, ou quand je suis surtout sur le speakerphone, il capote, c'est vraiment drôle. Dès qu'il m'entend parler, je sais pas si c'est parce qu'il m'entend pas souvent parler, mais quand il m'entend parler tout seul, on dirait qu'il faut toujours que ça autour, qu'il vienne me voir au téléphone. C'est le pire, là, surtout speakerphone, là, il est comme... Ouais. Liam, come on, please, get down. Oh my god, ok, là maintenant on en a deux. Ah, ok, les deux sont avec moi. Fait que je devrais me compter chanceuse. J'ai essayé qu'ils sont avec moi pis ils sont super cute. Mais on dirait que c'est une de ces journées où j'aimerais... Mon dieu, j'ai tellement l'air d'en faire là, j'excuse. Mais c'est comme une de ces journées où ça va pas super, fait que je vais pas faire semblant que ça va super bien là, parce que c'est un journal, fait que faut que ça soit vrai là. Je me dis, regarde, j'ai l'air de ça des fois, ça arrive souvent que je suis triste pis aujourd'hui c'est une journée là, c'est comme pas facile. On dirait que c'est juste une de ces journées que j'aurais aimé ça comme pas être seule, mais pas nécessairement comme appeler quelqu'un pis dire « Hey, je veux pas être seule, j'ai ta peine » parce que c'est pas vraiment mon genre de faire ça, je veux pas comme déranger personne, pis quand j'ai de la peine j'ai tendance à plus comme... me renfermer sur moi-même puis rester tout seul, mais aujourd'hui on dirait que ça aurait été vraiment cool de me changer les idées. Hey boy! On va dire que le rouge fait ressortir mes yeux bleus. Comme s'il m'en manquait pas de rouge, tu sais. Comme s'il m'en manquait ce rouge, j'en ai tellement sur moi, ça va. C'est ça, fait que là, ça va vraiment nulle part mon affaire. Je vais vous laisser pour tout ça, je pense. Je vous tiens au courant pour vous dire si l'autre personne a choisi de partir avec deux autres bébés, parce que... je pense que si ça fonctionne, on irait directement ensemble à la SPCA. Fait que je pense pas nécessairement que je vais pouvoir vlogger tout de suite. Parce que je vais pas vlogger pendant qu'il est là, parce que ça a l'air super weird. Mais je vous tiens au courant là. Il y a une chose que je vais absolument faire, puis c'est prendre une photo de Peach pis Rosalina ensemble. Parce qu'ils ont la même petite tache sur le nez. J'aurais dû faire ça il y a tellement longtemps, mais je me dis toujours demain, je vais faire plus tard. Pis tu sais, c'est comme ça bouge tellement ces petits enfants là que c'est assez dur de les prendre en photo. Comme faut que je sois, c'est juste quand ils dorment ou quand ils sont couchés que j'en profite pour faire un clic. Fait que je vais essayer de prendre ma maman pis Rosalina parce qu'il y a une petite tache, la même petite tache sur le nez, c'est adorable, mais comme à l'envers. Fait que j'avais envie d'avoir ça en souvenir parce que je trouvais ça super cute. Fait que ben, ça, je l'ai déjà montré dans un des vlogs en fait. Je l'ai en vidéo, mais pas les deux collés ensemble, j'en ai séparé. Fait que j'aimerais ça d'avoir ensemble parce que je trouve ça vraiment mignon. Puis j'ai pratiquement pas de photos de Peach pis ses bébés. J'aimerais ça en avoir plus en vrai. Mais on dirait que depuis que j'ai dit annoncé, ça a comme été comme une chose que j'ai essayé de faire pour me comme détacher un peu. Vous voyez comme ça a fonctionné. J'ai essayé comme, à moins que ça dépose vraiment adorable, j'ai essayé d'arrêter de prendre des photos puis faire des vidéos. Je me disais que j'ai faisais surtout des photos puis des vidéos pour pouvoir les afficher puis tout. Fait que je me suis dit que j'allais essayer de me détacher en prenant plus de photos puis de vidéos. Presque. Mais ça a pas vraiment fonctionné. Fait que, bon c'est ça, je m'excuse, je reviens un petit peu plus tard pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé avec mes deux autres.
Rebonjour tout le monde. Là, j'ai pas fait de touch-up, là. Je suis désolée, là. J'ai l'air assez fatiguée, là. Je suis comme toute enflée, là. C'est vraiment quelque chose. C'est pas trop cute, mais c'est pas grave. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est un journal, puis je vous montre qu'est-ce qui se passe. Justement, je suis en train de travailler comme l'autre partie, la première partie que vous venez de voir de mon vidéo. Puis je regardais comme. Oh, j'ai vraiment l'air de l'enfer, là. J'essayais de. Je veux que ça soit comme. Un journal, fait que c'est comme, c'est vrai, là, je vais vous montrer comme, comment je me sens pour de vrai, mais en même temps, je veux pas que ça ait l'air d'un pity party, là, c'est pas ça pantoute, mais j'ai mis les bouts que j'ai pu dans ce que je vous ai dit, parce que j'avais bien de la misère à parler, mais il y a bien du monde, je pense, qui vont me trouver ridicule, puis qui vont, on a encore les M qui vont me trouver ridicule, qui vont me dire, ben, tu savais depuis le début que c'est ça qui allait arriver, mais même si j'avais en tête que c'était ça depuis le début, c'est pas plus facile, là! Même si tout le côté rationnel est là, c'est... Ouais! Fait que dans le fond, c'est ça, je pense que je vous ai même pas dit. On est le soir, c'est ça, je vous ai pas revlogué parce que j'étais avec la personne qui est venue visiter pour Boomer puis Bowser. Puis finalement, il a pris Boomer et Bowser aussi. Fait que c'est ça, ça fait quasiment bizarre parce que je sais que j'ai donné le lien à la SPCA pour avoir des de vidéos que j'ai... Je vous ai montré mon PJ Sunday sur mes petits bébés. Je vous l'ai donné à la SPCA pour qu'il y ait... Mais j'avais essayé de donner le lien pour que ça parte exactement où on voit les chatons, parce que j'aime pas vraiment mixer comme... J'aime pas vraiment mixer travail et vidéo, puis j'aime pas vraiment mixer comme... Tu sais, j'en parle pas à tout le monde que je fais des vidéos, c'est plus le monde qui découvre en ligne qui le découvre, fait que je sais pas, vu que je parle tellement de ça, puis c'est tellement quelque chose qui est intense sur ma chaîne, puis je parle même du monde qui adopte, puis tout, je trouvais ça un peu bizarre de leur donner le lien de ces vidéos-là, fait que si j'aurais pas vraiment voulu le faire, mais je voulais donner le plus de chances possible aux chatons d'être adoptés. Fait que j'ai mis le lien de ma chaîne. Fait que ça fait bizarre parce que le monde, ils me disent qu'ils ont vu mes vidéos, puis ils ont pas juste vu celui de lien, ils en ont vu d'autres. Pas que c'est négatif, mais comme... je sais pas, ça me fait sentir bizarre. Fait que là, ils vont voir à quel point j'étais un mess d'avoir laissé les chatons partir s'ils écoutent mon vidéo. Mais sérieusement, je suis super contente de mon choix. J'ai revu la famille qui a pris Buzzy puis Rosalina, puis je suis toujours aussi certaine puis aussi contente. Puis ils sont tellement adorables. Ils ont acheté plein de jouets pour les bébés. Puis ils vont probablement, j'espère me réécrire pour me dire leur nom. Mais dans les choix, il y avait Sky pour la petite fille. Je me rappelle, ben pour la petite fille, pour Rosalina, c'était son choix, puis c'était comme tellement un beau nom, c'est comme ça que je vais appeler ma fille, puis je suis comme, oh, c'est un signe. Fait que ça va peut-être être ça son nom. Pour Buzzy, je suis pas certaine. Ils m'ont dit un nom, puis j'aimais vraiment ça, mais je m'en rappelle plus. En tout cas, ils vont finir par me dire c'est quoi le nom officiel. Fait que, puis c'est ça, Bowser et Boomer aussi, qui sont partis. Fait que, je sais pas ça va être quoi leur nom à eux, par exemple. Puis bon, j'espère que je vais avoir des nouvelles, des photos. J'ai tellement hâte de voir quand ils vont être grown up, de voir de qu'est-ce qu'ils vont avoir l'air. J'ai super hâte. Mais, oh god, c'était pas facile. Avec tout le chemin, j'ai amené Peach, parce que quand ils sont avec la maman, ils sont plus calmes. Fait que j'ai amené Peach avec les bébés. Parce que, justement, je voulais qu'ils soient pas trop... Ça les aidait à rester calmes, mais là, il fallait que Peach fasse le chemin pour s'en venir. Puis je me sentais un petit peu mal là-dessus. Puis justement, Peach, j'ai trouvé une famille aussi. Fait que ça, je vous en reparlerai. Mais c'est ça, fait que je l'ai amené, puis ouais, je m'en vais avec ça. Ah, oh, tout le chemin du métro pour m'en venir. J'avais quand même arrêté de pleurer. Puis je voulais pas comme mettre mes lunettes de soleil dans le métro, ça avait l'air trop douche là. Mais au moins c'est au métro Namur, puis il y avait comme pas tant de monde que ça jusqu'à temps qu'on arrive au métro Berry. J'arrivais à la maison là, puis c'était comme oh, c'est vide, c'est vraiment quelque chose de spécial. Mais là il me reste Brighton puis Baby Lingma, ça me permet de passer plus de temps avec eux puis de profiter du temps avec eux. Mais c'est oh, ça a fait un choc là, en arrivant à la maison, il n'y a plus personne là. Bowser va plus... ça recommence, tabarnouche. Je suis capable, je suis correcte. On va revenir. Ils sont pas morts, là. Ils sont juste partis dans leur famille, c'est bon. Oh, c'est comme... il viendra plus... Il venait me voir le matin quand je me réveillais presque. Quand il dormait pas avec moi, puis avec les gars, puis Peach aussi, il dormait toute la gang avec moi, puis des bébés qui venaient... Pendant la nuit, des bébés différents qui venaient dormir avec moi. On dirait que Bowser, c'est celui qui venait dormir le plus souvent. Puis dès qu'il entendait ma voix le matin, il arrivait pour venir me voir s'il n'avait pas dormi avec moi pendant la nuit. Fait que c'est correct, on va se sortir. Ma mère m'a appelé, mais elle m'a parlé super longtemps. Fait qu'elle est super fine. Puis Mel aussi, c'est sûr. c'est même pas une option. Je sais qu'elle est tout le temps là pour moi. Fait que c'est super la fun. Mais des fois, une présence de quelqu'un, c'est pas pareil comme. Avoir quelqu'un au téléphone, mais c'est pas que j'apprécie pas, là, mais c'est juste c'est différent. Fait que c'est pas une très bonne fin de semaine. Je vous parlerai pour d'autres raisons aussi, que je vous ai fait une autre vidéo là-dessus.
Quoique j'ai l'air d'en faire des vidéos que je fais avec me plaindre these days, mais c'est une autre vidéo qui va avoir rapport, vous allez comprendre, parce que je vais poster ça probablement demain. Pas la vidéo par rapport, mais ouais, en tout cas, c'est ça. Une autre vidéo pour une... mais je vais pas rien dire de spoiler. En tout cas, une autre vidéo, puis qui va, en fait, ouais, en tout cas, c'est ça, super clair. Mon vidéo est déjà pas mal long, fait que je vais arrêter ça là. Mais je voulais vous donner le full experience, là, toute l'expérience de c'est quoi. Quoique je suis probablement pas une bonne référence, parce que je suis vraiment un mess en ce moment. Fait que c'est clair que c'est pas toutes les familles d'accueil qui sont comme ça, parce qu'il y a du monde qui font ça sans arrêt. Là. Moi, je pourrais jamais, je pourrais pas, je suis pas capable, mais c'est bien trop difficile. Fait que c'est ça. Fait que là, je vous laisse pour ce vlog-là. Je pensais réussir à le faire en, je me trompe pas, comme 6 chapitres, mais je pense qu'il va y avoir un autre chapitre après pour savoir ce qui est arrivé à Baby Luma et Brighton. Fait que j'espère que j'ai pas été trop dramatique pour vous, là. C'est vraiment intense, là, comme vidéo. Je suis désolée d'avoir été comme... Debbie Downer, là, je suis comme super déprime, mais ça va passer. C'est déjà un petit peu moins pire que c'était tantôt. Fait que je reparle plus tard tout le monde. Je suis vraiment désolée d'être dans tous mes états comme ça. Je pense que ça doit pas être le genre de vidéo que vous avez le goût de cliquer pour voir, parce que c'est pas particulièrement intéressant de me voir pleurer dans mes vidéos. Wouhou, super fascinant. Mais c'est ça, ça fait partie de la game. Fait que je voulais comme... pas tout faire du montage, puis comme me retoucher, puis remettre de la poudre, puis me remettre un peu de mascara pour avoir quasiment être à mon meilleur, parce que je le suis tellement pas aujourd'hui. Je sens les yeux poufi, je sais pas si le monde s'en sera rendu compte. Spécial, j'espère que non, parce que les autres ils voient ça beaucoup, là. Ils vont trouver que j'ai l'air. Ils vont trouver crazy, là. Crazy Cat Lady, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est moi. Que je vous reparle plus tard, tout le monde.